regardant Facebook ce matin, j'ai vu que aujourd'hui on était la journée de la femme. Donc on est le 8 mars, dimanche. 8 mars 2020. La journée de la femme. Bien. Alors moi je me pose une question. Est-ce qu'on a besoin d'une journée pour faire la fête des femmes, pour célébrer les femmes? Et je dis les femmes, mais je dirais aussi les hommes, les enfants, les grands-parents, les grands-mères, les grands-pères, les amoureux. Eh oui, est-ce qu'on a besoin d'une journée particulière? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt être et respecter tous les êtres humains au quotidien? Ce serait beaucoup mieux. Alors j'en reviens aujourd'hui à la journée de la femme parce que la journée de la femme, ouais. Il faut dire que tous les jours, il y a des femmes qui se font tuer parce qu'elles sont maltraitées, parce qu'elles ne sont pas respectées. Et ce, malgré une journée par an de la fête de la femme. Mais allons plus loin encore. Allons voir ailleurs dans le monde. Allons voir dans ces pays d'Afrique et autres pays, Malaisie et d'autres, il y en a tellement. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la journée de la femme? Sérieux. Quand vous voyez que les femmes sont maltraitées, malmenées, qu'elles sont abattues dans les rues parce que elles n'ont pas le droit de faire, de conduire ou parce qu'elles n'ont pas le droit juste de sortir et qu'elles se font elles se font tuer. Et aujourd'hui, on fête la journée de la femme. Quelle hypocrisie. Sérieux. Vous savez qu'aujourd'hui, hein, malgré le fait que ce soit la journée de la femme, il y en aura qui se font tuer en France pour maltraitance, mais dans les autres pays. Parce qu'elles n'ont pas ce qu'il faut, parce qu'elles n'ont pas à manger, parce qu'elles n'ont pas de toit sur la tête, parce qu'elles doivent nourrir leurs enfants et qu'elles n'ont pas assez de lait maternel pour les nourrir. Donc aujourd'hui, elles vont voir dépérir leurs enfants parce que bah, elles n'ont pas ce qu'il faut pour entretenir et pour faire en sorte que leurs enfants grandissent normalement. La journée de la femme aujourd'hui, quelle vaste fumisterie. Mais c'est vrai. Ah ouais, mais nous, là-bas, c'est ailleurs, hein, c'est, ça passe pas les frontières, hein, non. Nous, dans les pays civilisés, enfin dits civilisés, parce qu'en fait, au final, on est des pays de sauvages et d'esclaves et de tout ce qu'on veut. Ici, on fête la journée de la femme. Bah ouais. Mais c'est aussi un geste commercial. C'est surtout un acte commercial. On va bien offrir quelque chose à la femme qui nous côtoie au quotidien. Ah, c'est normal, c'est sa journée. Hein. On va être un petit peu plus gentil, on va lui offrir une fleur, on va lui être plus agréable. Ouais, mais demain, ça sera fini. Demain, ça va reprendre. Exactement comme d'habitude. Et là, bah, une journée par an, nous les femmes, hein, je vous tiens la main, je suis avec vous de tout cœur parce que on en profite aujourd'hui, demain ça sera foutu, ça sera trop tard. Hein, c'est aujourd'hui, si on veut se défouler, si on veut aller de l'avant, c'est aujourd'hui parce que demain ça sera fini, ça sera plus la journée de la femme, ça sera la journée d'autre chose. Et voilà, et c'est dans ce monde-là qu'on vit. Voilà. Il y a une journée pour la femme, il y a une journée pour l'enfant, il y a une journée pour les maladies, il y a une journée pour la fibromyalgie, il y a une journée pour le cancer, il y a une journée pour quoi d'autre? Le cancer, la sclérose en plaques,
Il y a des journées pour tout et n'importe quoi, en fait, tout le long de l'année. Il y a 365 jours dans un an. Donc, vous pensez bien que tous les jours de l'année, il y a une journée spéciale pour quelque chose. Sauf que dans un monde idéal, dans un monde où l'argent ne serait pas le dieu, dans un monde où il y aurait de l'amour, de l'empathie, du partage, eh ben, on n'aurait pas besoin de fêter. Non, parce que la fête, ça serait tous les jours. Ouais, la fête, ça sera tous les jours. Il y aurait le respect tous les jours des êtres humains, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, du vivant. Et ouais, ben, ça serait tous les jours la fête. Ça serait tous les jours qu'on les respecterait. Ça serait tous les jours que ben, les femmes arrêteraient de se faire taper dessus, que elles arrêteraient de se faire violer, qu'elles arrêteraient d'être malmenées, maltraitées, que ce soit physiquement, moralement, psychologiquement, bref. Voilà. Donc, moi, je dis que cette journée, hein, c'est pour moi une vaste fumisterie, aussi bien cette journée que toutes les journées qui font la fête. La propagande, voilà le mot exact. La propagande. Parce que une journée, ça suffit pas. Hein. Une journée, ça suffit pas. Nous les femmes, on est des femmes 365 jours par an. Et du début de notre vie jusqu'à la fin, donc de notre naissance jusqu'à la mort. À notre naissance, dès qu'on est un peu grand, nos parents nous apprennent ce que c'est que d'être une femme, hein, n'est-ce pas? Hein, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de ton ménage, et puis tout ira bien pour toi. Même si les mentalités se sont un peu ouvertes maintenant et que la femme a le droit de travailler, bah ouais, oh, quelle bonne invention le travail pour la femme. C'est vrai que la femme devient indépendante financièrement, etc. Sauf que ben, elle a plus de famille, hein, parce que ben non, il faut qu'elle ramène, il faut qu'elle trouve un travail. Un travail, ben, celles qui ont de la chance ont un travail qui lui plaise, et celles qui n'ont pas de chance, eh ben, elles travaillent parce qu'elles sont obligées de faire bouillir la marmite avec leur homme, si elles sont en couple ou toutes seules, si. Voilà. Et c'est pire encore si elles ont des enfants. Voilà. Et tout ça, c'est le rôle d'une femme. Donc, la femme, elle est d'abord enfant, puis adolescente, puis bah, elle se marie ou pas, puis elle a des enfants, puis elle s'est mise au travail. Donc, moi, j'estime que la femme, dans sa globalité, dans toute sa féminité, qu'elle soit femme, épouse, mère, doit être respectée au quotidien et non pas une seule fois par an. Pareil pour les enfants, pareil pour les hommes. Ah, la fête des pères, bah ouais, la fête des pères. On va fêter les pères une fois par an, mais les pères. C'est tous les jours qu'il faut les fêter, parce qu'il y en a qui le méritent vraiment. Il y en a qui le méritent vraiment. Et c'est dommage de les fêter qu'une fois par an. Donc c'est à nous de changer ça. C'est à nous de faire en sorte que les fêtes une fois par an deviennent des fêtes quotidiennes. Se faire plaisir à notre entourage, à notre famille, faire plaisir à tous ceux qu'on aime. Et déjà, on n'aurait pas besoin d'une journée par an pour faire la journée de la femme ou la journée de l'homme, enfin la journée. Alors nous, on a de la chance, hein. Ah oui, on a de la chance, hein. On a la journée de la femme, on a la fête des mères, on a la fête des grands-pères. Oh, on est gâtés. Oh là là. Mais dans quel monde on vit? Sérieux? Il y a la fête des amoureux aussi, ouais. Ouais, mais les amoureux sont amoureux que le 14 juillet. Hein. Après, ils se si après, non. Non, non. Alors, on fait des cadeaux, on fait des sorties, on s'habille correctement le 14 juillet parce qu'on est amoureux. Et puis après, c'est plus la peine. C'est
c'est plus la peine parce que la journée est passée. Donc après, on continue à vivre notre vie normalement. Notre conjoint, on s'en fout. Et puis, voilà. C'est ça. Et magique, on n'a pas gagné la guerre, je vous le dis. Hein. C'est vraiment quelque chose de déplorable, quoi. C'est... Ça n'a même pas... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça devrait être tous les jours la fête. Ça devrait être tous les jours la fête de tout le monde. La fête de tout le monde devrait être tous les jours. Ah ouais, mais non. Parce que, en fait, c'est marrant, hein, parce que, en y réfléchissant, et au ressenti que j'ai là, actuellement, je me dis que si c'était la fête tous les jours, ben, les lobbies financiers, ils y perdraient. Dans le sens où, on fait tous les jours un petit truc, un petit machin, on fait plaisir à l'autre, on se fait plaisir et tous les jours, on pourrait rendre la vie plus agréable et plus intense et plus belle. Mais en le faisant une fois par an, ça regroupe. Vous remarquerez qu'à la Saint-Valentin, tout le monde, les amoureux, tous ceux qui sont amoureux, faites la fête sur Facebook, et à bonne fête, bonne Saint-Valentin, que les couples en général se font des cadeaux, donc tout ça, ça fait marcher le commerce, et que même ceux qui sont en seul et qui ne sont pas amoureux, ils trouvent le moyen de souhaiter une bonne fête à ceux qui le sont. C'est génial, ça part d'un bon sentiment, hein, mais c'est juste complètement bête parce que c'est tous les jours. À ce moment-là, tous les jours, on se dit bonne fête des amoureux, bonne fête des femmes, bonne fête des hommes, bonne fête des pères, bonne fête des mères, bonne fête aux enfants. Et tous les jours, on leur donne de l'amour et du bien-être et tout. Et c'est génial. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une journée par an. Ben non. Moi, j'adhère pas à ça. J'adhère pas. Non. La fête des grands-mères, la fête des mères et tout. Alors oui, c'est vrai. J'ai eu un cadeau pour la fête des grands-mères, mais sérieusement, j'en aurais pas eu, ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Parce que voilà, c'est... Si on s'aime soi-même, si on aime notre famille, si on aime nos enfants, si on aime notre mari, si on aime notre conjoint, si on aime les êtres humains tout simplement, c'est la fête tous les jours. Tous les jours. Pas une fois par an. Alors bon, si ça vous plaît de faire la journée de la femme aujourd'hui, tant mieux à ceux qui sont contents d'avoir une maman, à ceux qui sont contents d'avoir une épouse, à ceux qui sont contents d'avoir une femme dans leur entourage et de se dire « chouette, c'est la journée de la femme ». Moi, aujourd'hui, je pense surtout à celles qui ne font pas partie du lot. À celles qui vont souffrir aujourd'hui, qui pour elles, le fait que ce soit la fête de la femme n'a aucun sens. Ben non. Parce que, elles vont souffrir. Elles vont se faire taper dessus. Certaines vont même y laisser leur vie. Certaines sont obligées de faire les poubelles pour manger. Certaines n'ont pas de toit sur la tête. Certaines n'ont même pas de quoi nourrir leurs enfants. Et en fait, à ces femmes-là, c'est tous les jours que j'y pense. Pas qu'aujourd'hui. Tous les jours. Même si je vis ma vie au quotidien, c'est un fait. Et que... il faut être un peu égoïste parce qu'il faut penser à soi avant de penser aux autres. Moi, je pense à moi. Et en pensant à moi, je pense aux autres aussi. Et je pense à toutes ces femmes qui n'ont pas ce qu'elles devraient. Et pourtant, aujourd'hui, c'est leur fête.
C'est une vaste hypocrisie. C'est une vaste fumisterie. Mais bon, écoutez, si vous voulez rentrer dans ce grand rassemblement des fêtes des femmes, eh ben écoutez, bonne fête à vous. Moi, j'ai posté un truc sur Facebook. Ça plaît pas. Bah, tant pis. Mais enfin, c'est ce que je ressens. On ne doit pas avoir de jour spécial pour fêter l'amour de l'être humain, quel qu'il soit, où qu'il soit, d'où il vienne, quelle que soit la race. Et quand je dis race, ce n'est pas péjoratif, mais la race humaine. Voilà, la race humaine, qu'elle soit blanche, rouge, jaune, noire, je sais pas, toute. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas la fête de la femme. C'est la fête du monde. C'est la fête des êtres humains. Voilà. C'était le message de ce dimanche. Et ben, en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite à tous le meilleur. Soyez heureux, soyez dans l'amour, quelle que soit la journée, quel que soit le moment, quel que soit l'instant, quels que soient les événements que vous vivez, soyez dans l'amour et dans la paix. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye.